Nous avons une présentation spéciale ce soir de la part de membres ou de futurs membres du club Octogone de Saint-Émile que nous voulons fonder. Et j'inviterai dans un numéro qui s'intitule Riptide de Vance Joy. Je vous présente Amy Ménard. Le club Octogone de Saint-Émile. Je vais vous présenter les membres du club qui sont là. Alexis et Adam Charles-Leblond, vous pouvez les applaudir. Dans le fond, je vais vous parler un peu de mon expérience dans les Octogones pour les jeunes qui seraient intéressés à s'embarquer. Les clubs Octogone, c'est vraiment, je vais le dire, c'est trippant. Tu apprends à connaître plein de personnes, peu importe si tu es une personne gênée ou plus introvertie un peu, c'est vraiment là que tu te dégènes. Dans le fond, moi, ça a commencé que Diane, la présidente du club, club optimiste de Saint-Émile, est venue me parler et m'a demandé si je voulais faire partie des gens qui voulaient partir un club Octogone. Fait que dans le fond, ça va faire un an et demi que je travaille là-dessus. Pour être dans un club, il faut 8 personnes. À date, on est 6. Bienvenue à toutes les personnes qui veulent s'embarquer pour qu'on devienne un vrai club. Ça a commencé que je suis allée à une assemblée où toutes les personnes du district Est-Québec-Rive-Nord, c'est toutes les personnes Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec et compagnie, se regroupent à peu près 3 fois pendant une année. Là-bas, j'ai rencontré plein de personnes. Il y a le gouverneur aussi,
C'est l'ex-gouverneur, il s'appelle Devin Maheu, vraiment gentil, qui m'a vraiment bien accueilli. Et on est vraiment une bonne gang. Vraiment, notre but, c'est d'aider les gens, puis c'est ça. Merci beaucoup, Amy, et on t'encourage à continuer dans ta démarche pour la fondation du Club Octogone. Et comme vous voyez, je pense que avec ce genre de personnes-là, des gens qui vont se regrouper dans un Club Octogone vont avoir vraiment du plaisir.